Ah, d'ailleurs, j'ai un message de Bernard Tapie pour la soirée. Ah bon. On l'a appelé ce matin. Bernard. Qu'est-ce qu'il dit, Bernard ? Il m'a dit qu'il était amoureux de Cécile Simeone. Ah oui, il me l'a dit aussi. Pascal, la France au Mondial. Mais la France, elle va se balader. Quand tu as Vieira, Trezeguet et Thuram dans ta colonne vertébrale, qui sont la colonne vertébrale de la Juve aujourd'hui, tu vas faire un bon Mondial. Simplement, on est passé d'un excès à l'autre. On était tellement optimistes il y a 4 ans ou il y a 6 ans. On pensait aller reprendre la Coupe du Monde. Cette fois-ci, on verse dans l'autre sens. Mais vaut mieux. Tu as Vieira, Trezeguet et Thuram dans un axe central. Mais Thuram, il n'est pas vieux, Thuram, non ? Mais il a 10 ans de moins que Basile Boli quand il jouait à Auxerre. Si tu mets Anelka en attaque, vous gagnez. Tu as dit, il n'y a pas longtemps, ils veulent être Eto'o ou d'autres joueurs africains, ce qui symbolise non pas pour être Eto'o, mais pour gagner des millions. Ce ne sont pas seulement les jeunes africains. Il y a tellement de joueurs africains. Même les jeunes européens aujourd'hui. Bien sûr. Quand ils arrivent, ils vont voir la belle bagnole de Samuel ou d'un autre footballeur. Ils ne pensent pas. Il y a un travail. Oui, mais est-ce que tu... Il y a le travail. Parce que les gens, ce qu'on ne perçoit pas, c'est que c'est un génie. C'est-à-dire que tu as des milliers de footballeurs de 7 ans, des millions. Et la différence, c'est quoi ? Et il y en a un comme lui. Et les gens pensent en l'écoutant que c'est facile. Et ça serait une erreur. C'est-à-dire qu'être champion olympique en escrime, c'est facile, ils sont 100. Ouais. Être champion du monde en football, c'est impossible. Tellement tu as de ça. Non mais attends, c'est vrai, Thierry, il le sait. Être le meilleur footballeur de sa génération, c'est un génie. Sur la masse, le talent. Je veux bien qu'il parle de travail, mais il y a un talent inné. Ah d'ailleurs, j'ai un message de Bernard Tapie pour la soirée. Ah bon. On l'a appelé ce matin. Bernard. Qu'est-ce qu'il dit, Bernard ? Il m'a dit qu'il était amoureux de Cécile Simeone. Ah oui, il me l'a dit aussi. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.